Bonjour. Dans cette vidéo, tu vas apprendre à écrire un nombre sous sa forme scientifique. Rappelons déjà ce qu'est la forme scientifique. Pour cela, un exemple. Bien, on le voit, alors ici 7,328 fois 10 puissance 5, c'est un produit. Alors on va commencer par celui de droite, c'est plus simple. 10 puissance 5, dans l'écriture scientifique, j'ai effectivement nécessairement une puissance de 10. 10 puissance 5, 10 puissance 15, même 10 puissance moins 3, on va le voir avec des exposants négatifs. Pourquoi? Parce qu'en réalité, l'écriture scientifique, comme son nom l'indique, elle est utilisée dans les sciences, particulièrement en astronomie, où l'éloignement des astres fait qu'on est amené à travailler avec des nombres gigantesques. Et pour éviter de les écrire en entier sous leur forme décimale, on a inventé cette écriture très réduite, qui permet d'écrire de façon très réduite des nombres qui sont très très grands. Et d'avoir tout de suite une idée, un ordre de grandeur de ce nombre. Donc une puissance de 10. À gauche, l'autre facteur, c'est un nombre, cette fois-ci sous son écriture décimale, mais attention, nécessairement compris entre 1 et 10. 10 exclus. Donc on peut avoir 1, 1,1, 1,5, 5, 8, 9, 9,9, 9,999, même si on le souhaite, mais on s'arrêtera là, pas de 10, pas de 11, pas de 12. Et si jamais on est amené à avoir un nombre comme cet exemple-là qui dépasse 10, on va modifier l'écriture de ce nombre pour le ramener à un nombre compris entre 1 et 10, on le verra dans l'exemple 2. Voilà l'écriture scientifique, c'est parti, on attaque le premier exemple. Je vais aller un peu plus doucement sur le premier exemple et ensuite j'irai un peu plus rapidement sur les autres. Alors, ce nombre se lit donc 8 300 000. 8 300 000, la première étape, c'est d'extraire la partie gauche, le facteur de gauche dans l'écriture scientifique, c'est-à-dire le nombre compris entre 1 et 10. Pour cela, la technique consiste à repérer tout ce qui n'est pas des zéros et à l'extraire. Donc ici, j'ai le 8 et le 3 qui ne sont pas des zéros et je vais donc l'extraire et le recopier. Voilà. Alors, ça doit être égal. Mais on a dit qu'ici, on voulait un nombre compris entre 1 et 10, 10 exclus. 83 est plus grand. Donc, il faut que je m'arrange pour ne pas avoir 83, mais avoir un nombre qui est compris entre 1 et 10. Et bien, pour cela, je vais mettre une petite virgule et je vais écrire 8,3. Donc, avec ces nombres-là, je fabrique un nombre compris entre 1 et 10. OK. Multiplié par. Alors, multiplié par quoi? Multiplié par, l'exemple nous le dit, 10 puissance quelque chose. Reste à savoir qu'est-ce que c'est que ce quelque chose. On est bien d'accord que ces deux nombres doivent être égaux. Autrement dit, je dois multiplier 8,3 par une puissance de 10 pour que ça soit égal à 8 300 000. Alors, ce qui veut dire que je vais multiplier par quelque chose du type 10 000, 100 000 ou même 1 million, c'est-à-dire un 1 suivi de plein de zéros, qui va me permettre de décaler ma virgule et de la ramener ici au bout. Donc on va compter, la virgule, elle est ici, elle est entre le 8 et le 3. Il faut que je multiplie par un grand nombre pour ramener la virgule ici. On va tout simplement compter combien de rangs il faut la déplacer. Donc je suis là. Une fois, deux, trois, quatre, cinq, six fois. Donc six rangs. Donc, 10 puissance 6. En multipliant 8,3 par 10 puissance 6, j'arrive sur 8 300 000. Dans les plus petites classes, tu n'avais pas multiplié par 10 puissance 6, mais tu avais multiplié par un 1 suivi de 6 zéros, ils sont bien égaux ces deux-là, c'est-à-dire par 1 million, et 8,3 multiplié par 1 million, on sait bien qu'en décalant la virgule, ça donne 8 300 000. Voilà la technique pour amener à l'écriture scientifique un nombre. Ceci, quand l'exposant est positif, on verra après quand l'exposant est négatif. Juste une petite remarque, quand tu vois ici quelque chose qui est de l'ordre du million, tu peux savoir que c'est du 10 puissance 6. Ça, c'est un petit truc pour s'en rappeler. 10 puissance 6, c'est de l'ordre du million. Passons à l'exemple B. Je vais aller un peu plus vite. On va faire comme tout à l'heure. On va extraire tout ce qui n'est pas des chiffres 0. Mais attention, je vais l'extraire
avec éventuellement les zéros qui s'intercalent entre des chiffres qui ne sont pas des zéros. Donc ce zéro-là, je l'extrais avec. Il faut vraiment extraire toute la partie, même s'il y a des zéros dedans, avec des chiffres où à l'extrême, je n'ai pas de zéro. D'accord ? Donc là, j'extrais, eh bien, je vais le recopier. 1, 9, 3, 0, 8. Voilà. Et je veux que ça soit égal. Et je veux ici avoir un nombre compris entre 1 et 10. 10 exclu. Donc je vais placer ma virgule au bon endroit. Pas ici, bien sûr. Puisque sinon, ça ferait 19. Ni ici. Donc il n'y a pas vraiment le choix. Il faut la placer ici. 1,9308. OK ? Continuons. Tout cela, ça doit être multiplié par une puissance de 10. Laquelle ? Eh bien, on va faire comme tout à l'heure, on va compter. La virgule est actuellement ici. Et je dois multiplier par un très grand nombre pour la ramener ici. Alors, on démarre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1,9308 fois 10 puissance 10, c'est l'écriture scientifique du nombre B. Et là encore, on aurait pu s'en douter. Parce que ceci, puissance 6, c'est le million. Et on peut se rappeler que puissance 9, c'est le milliard. Et là, on a 19 milliards. C'est-à-dire, on a 9 milliards, plus encore un rang au-dessus. C'est pour ça qu'on n'est pas à 9, mais qu'on est à 10. Bon, c'est un petit truc, ça vaut ce que ça vaut. Mais si ça t'aide pour t'en rappeler, ça peut être utile. Passons au suivant. Alors le suivant, on le voit, on est là maintenant sur des nombres très très petits. Mais la technique va être strictement la même, à la différence qu'au lieu de se ramener à des puissances dont l'exposant est positif, on va se ramener à des puissances dont l'exposant est négatif, comme ici. Alors c'est parti, j'utilise la même technique. Je vais commencer par extraire tout ce qui n'est pas des zéros. Donc là, j'ai ceci. J'ai 2 et 3. Et je le mets devant. 2, 3. 2, 3, donc 23 ne convient pas. Par contre, 2,3 convient parfaitement. Ça doit être égal et on doit le multiplier par une puissance de 10. Laquelle ? Alors, eh bien, on va faire comme tout à l'heure. J'ai ici ma virgule. Donc, elle est ici. Et en multipliant 2,3 par 10 puissance quelque chose, il faut que je retombe sur 0,00023. Donc, je vais être amené à déplacer la virgule vers la gauche. C'est-à-dire, je vais être amené à multiplier par un très petit nombre, très proche de 0. Donc, un nombre du genre 0,001 ou quelque chose comme ça. Eh bien, on le sait, pour cela, il faut ici mettre un exposant négatif. C'est lui qui va nous permettre de ramener la virgule vers la gauche. Eh bien, allons-y. On est ici et on compte une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. 4 fois, 10 puissance moins 4. Eh bien, 2,3 multiplié par 10 puissance moins 4, c'est égal à 0,0023. Le suivant. Alors, le suivant, on va laisser tomber les couleurs pour celui-ci, parce qu'on en a quand même fait plusieurs de ce type-là, et on va aller un peu plus vite. J'extrais les chiffres autres que 0. 45. Je place la virgule pour avoir un nombre compris entre 1 et 10, 10 exclu. 4,5. Je multiplie par une puissance de 10. C'est un très petit nombre, du type 0,0 machin chose. L'exposant est négatif. Je compte de combien de rangs j'ai déplacé la virgule pour trouver la valeur de cet exposant. Je suis ici, entre 4 et 5, une fois, 2, 3, 4, 5. 4,5 fois 10 puissance moins 5. Tu vois, c'est facile. Passons au suivant. Alors le suivant, par contre, c'est un peu différent. On a là une presque écriture scientifique, j'ai envie de dire. Parce que là, on a un nombre fois une puissance de 10, mais le problème, c'est que ce nombre, il n'est pas compris entre 1 et 10, 10 exclu. Comment faire ? Eh bien, on va tricher, en quelque sorte, et on va s'arranger pour fabriquer un nombre compris entre 1 et 10, 10 exclu. Et pour cela, je vais simplement
déplacer ma virgule. Je vais la faire passer de ce niveau-là à ce niveau-là. Multiplié par 10 puissance, et c'est là que tout va se jouer. Parce que, évidemment, pour que ces deux choses, ces deux expressions soient égales, il faudrait bien équilibrer ici, au niveau de la puissance de 10, ce qu'on a fait là. Alors, qu'est-ce qu'on a fait là? Eh bien, ici, en passant de 147,3 à 1,473, on a perdu deux rangs ici. On voit que notre nombre, il est en quelque sorte deux rangs plus petit. Il a en fait été divisé par 100, ce nombre-là. Là, on a perdu deux rangs. Alors, si on a perdu deux rangs ici, il faudrait bien les rendre, ces deux rangs, pour que ça reste égal, parce que sinon, on n'aura pas la même expression. Donc, je vais les rendre, ces deux rangs. Et pour rendre les deux rangs avec une puissance de 10, c'est très facile. Il suffit d'augmenter l'exposant de deux rangs, donc 5 plus 2, 7. En réalité, ici, vu que j'augmente de deux rangs, c'est comme si je rajoutais 2 zéros, et c'est comme si je multipliais par 100. Bien, ça tombe bien, puisque là, on a dit que c'est comme si on divisait par 100. C'est pour ça que si on perd deux rangs ici, eh bien, il faut rendre deux rangs sur la puissance de 10. Et l'inverse est vrai aussi, on va le voir dans l'exemple suivant. 0,125, eh bien, on va fabriquer avec 0,0125, qui n'est pas un nombre compris entre 1 et 10, 10 exclu, on est d'accord, puisque c'est du 0, quelque chose. Il me faudrait du au moins 1, quelque chose. Eh bien, c'est ce qu'on va faire. Je vais récupérer ici mon 1, 2, 5, et je vais fabriquer un nombre compris entre 1 et 10, 10 exclu. Cela me donne 1,25. 1,25 multiplié par 10 puissance quelque chose. Bien, comme tout à l'heure, on va être amené à équilibrer. Alors, regardons ce qu'on a fait pour passer de 0,0125 à 1,25. Cette fois-ci, le nombre, il a grandi. Hein. Il a grandi de quoi? Il a grandi, eh bien, la virgule est là, elle est passée là. Il a grandi de deux rangs. Donc, cette fois-ci, c'est le contraire qui s'est passé. Là, on avait perdu deux rangs. Là, on a gagné deux rangs. Alors, pour que les deux expressions restent égales, il va falloir rendre ces deux rangs. Et donc, sur les puissances de 10, il va falloir, cette fois-ci, perdre deux rangs. On va donc être amené à retomber deux rangs plus bas. Eh bien, on était à moins 2. Si on perd deux rangs, moins 2, moins 3, moins 4, eh bien, on arrive ici à 10 puissance moins 4. Et de cette façon-là, on rend les deux rangs ici qu'on a gagné ici. Oui, et cette vidéo est terminée.